Cyril Rigon, le réalisateur nîmois, nous a invités sur le tournage de son court-métrage intitulé « Gamin le mime » au studio cinéma Flamingo à Aigues-Mortes. Apparition remarquée au cours des prises de vue intérieures, c'est l'actrice Caterina Murino qui campa le rôle du James Bond Girl dans Casino Royale aux côtés de Daniel Craig qui cette fois-ci endossa la tenue de Nina, une diseuse de bonne aventure. Durant cette journée passée avec toute l'équipe du film, nous avons appris que Gabin le Mime sera diffusé sur Orange 3D courant 2012 grâce à leur fonds de soutien aux jeunes réalisateurs. A noter que ce projet est financé grâce à la production Odéon et compagnie qui se lance dans le cinéma des jeunes auteurs. La liseuse de bonne aventure n'existe plus. Tu réfléchis, tu as cette idée, tiens, peut-être dans le palier des glaces, ils seront peut-être tous là dans le palier des glaces. Tu vois, c'est là que. Et tu t'en vas. Et surtout, pas un regard pour elle. Tu vois. Donc on va passer par ça, par des éléments d'intimité et tout ça. Moi je finirai sur toi. Quand tu verras partir. Par exemple. Bonne aventure n'existe plus. Caterina. Bonjour. Alors, tu es italienne, mais tu joues dans beaucoup de films étrangers. Est-ce que c'est important pour toi de diversifier ta carrière ? Je pense que c'est une grande chance de pouvoir arriver à jouer un peu partout, à jouer des rôles de plusieurs nationalités, de jouer dans différents pays. C'est une grande chance qui ça m'aide et quelquefois ça me pénalise aussi parce que je suis un peu partout et nulle part. Donc c'est une chance et quand même c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que bon, je viens de la Sardaigne donc je pense être née dans une île nous a toujours aidé à fuir, donc à prendre les bagages le bateau et s'enfuir dans différents pays, donc c'est quelque chose que j'adore beaucoup et je préfère, j'aimerais bien continuer comme ça dans ma carrière. Cyril, il est comment comme réalisateur? Quel rapport il a avec ses acteurs? Écoute, je suis très étonnée, il faut le dire, c'est pas parce que j'ai fait l'interview sur ces films, c'est un très 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 bon metteur en scène parce qu'il dit les choses très très simples, très claires, et surtout il m'a dit une chose que moi j'aime beaucoup, c'est la subtilité, et pas trop donnée, mais c'est tout beaucoup plus intérieur qu'à l'extérieur, et c'est très rare qu'un jeune metteur en scène comprenne ça tout de suite, donc c'est un très bon metteur en scène, je pense. D'accord, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage ? Nina, c'est une liseuse des bonnes aventures et dans les courts-métrages, voilà, c'est la copine de Gabin qui l'aide à essayer de comprendre, essayer de les calmer par rapport à ces folies qui l'envahissent pendant ce moment-là. Et par contre, je ne vais pas vous dire autre chose, un peu plus, parce que dans les films, ça développe beaucoup. Donc pour le moment, c'est juste une liseuse des bonnes aventures dans un cirque. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets après ? Oui, pour Arte, je serai Pénélope dans l'Odyssée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer dans ce film ? L'idée, déjà le rôle, je trouve que c'est extraordinaire quand on a surtout des costumes, des aussi riches, les décors, c'est juste extraordinaire. Je ne suis pas quelqu'un qui a toujours aimé les cirques quand je suis petite, je n'ai jamais aimé les cirques. Je ne sais pas pourquoi, ils me donnent vraiment une grande tristesse. Et donc, c'est toujours des défis dans ma vie, essayer de comprendre un univers que je n'aime pas ou parce que je ne le connais pas assez. Donc, c'est une ignorance de ma part. Donc, faire partie d'un cirque, je pense, c'est une très grande expérience. Et après, le scénario, c'est juste extraordinaire. Fait partie d'un cirque en 3D, je pense que c'est un rêve de beaucoup de personnes. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance. D'accord, ben merci beaucoup. Merci. Merci. Les 30 secondes.